Coucou les moyens, coucou les grands. Alors on va s'entraîner à compter les syllabes. Pour ça, on va faire un petit jeu. On va faire le jeu de la bataille des animaux. Je vais vous montrer deux cartes. Et l'animal qui a le plus de syllabes gagne. On connaît déjà ce jeu, mes élèves, mais c'est pour s'entraîner encore un petit peu. Voilà, allez, on commence. Vous montre deux cartes et vous me dites quel animal gagne. Alors c'est une mouche et c'est un bison. Mouche, une syllabe. Bison, deux syllabes. Qui gagne? C'est le bison. Il a deux syllabes. La mouche en a qu'une. C'est le bison qui gagne la mouche. Encore. Guépard, otarie. Qui gagne? Allez, je fais encore un petit peu avec vous. Après, je vous montre des cartes sans compter avec vous. Alors, on va compter guépard. On compte ensemble? Guépard. Deux syllabes. Otari. O-ta-ri. Trois syllabes. Alors, qui gagne? C'est l'otari. L'otari a trois syllabes. Le guépard en a que deux. Trois, c'est plus que deux. L'otari gagne le guépard. Allez, encore. Araignée, oie. Qui gagne? C'est l'araignée. L'araignée a combien de syllabes? Trois. Et oie, une. L'araignée gagne l'oie. Encore. Mouton. Chien. C'est le mouton qui gagne. Il en a deux syllabes, le chien en a qu'une. Éléphant, poisson. Qui gagne? L'éléphant. Il a trois syllabes, le poisson en a que deux. L'éléphant gagne le poisson. Renard, ours. Qui gagne? C'est le renard. Papillon, castor. Qui gagne? Le papillon. Trois syllabes. Le castor en a que deux. Alors là, c'est le petit éléphant. Éléphanteau, kangourou. Qui gagne? C'est l'éléphanteau qui gagne. Éléphanteau. Quatre syllabes. Le kangourou en a que trois. L'éléphanteau gagne. Tortue, hérisson. Qui gagne? C'est l'hérisson. Le hérisson, pardon, gagne la tortue. Hibou, ornithorynque. Qui gagne? Mets ton doigt. C'est l'ornithorynque qui gagne le hibou. Canard, chat. Qui gagne? Le canard gagne le chat. Hippopotame, coq. Qui gagne? L'hippopotame gagne le coq.
crabe, requin. Qui gagne? Le requin gagne le crabe. Écureuil, lama. Qui gagne? L'écureuil gagne le lama. Panda, loup. Qui gagne? Le panda gagne le loup. Caméléon, crapaud. Qui gagne? Le caméléon gagne le crapaud. Sanglier, zèbre. Qui gagne? Le sanglier gagne le zèbre. Escargot, dauphin. Qui gagne? L'escargot gagne le dauphin. Perroquet, tigre. Qui gagne? Le perroquet gagne le tigre. Et les dernières cartes? Rhinocéros, dindon. Qui gagne? Le rhinocéros gagne le dindon. Et voilà! Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien pour accéder à ces fiches, à ces cartes d'animaux. Il y a sept feuilles-là en cartes d'animaux. Il y a aussi sept feuilles-là en cartes d'animaux. Alors, si vous ne pouvez pas imprimer, bah, il faut dessiner des animaux sur des cartes. Si c'est difficile de dessiner des animaux, vous pouvez dessiner des fruits. C'est plus simple et il y a plein de fruits avec plein de syllabes différentes. On peut faire ce même jeu avec des fruits. Et après, je vous ai mis une petite évaluation. Donc, il faut d'abord faire beaucoup ce jeu avec des fruits ou des animaux. Et il faut colorier la carte qui a le plus de syllabes. À chaque fois, les cartes, regarde, tu vois, les cartes, elles sont par deux. Il y a cette carte, c'est ce jeu-là, l'ours contre l'escargot. Donc, tu dois colorier l'animal qui a le plus de syllabes. Après, tu fais cela, après cela, etc., etc., etc. Voilà. Gros bisous les loulous, plein de courage. Bisous.